Attends un peu, laisse-moi t'aider. C'est bon, je me débrouille. Justement, la voilà. Bonjour, monsieur, dame. Oui, bonjour. J'étais en train de parler de tes paumes à ces charmantes dames. Ah, vraiment? Tu peux leur expliquer comment les utiliser, s'il te plaît. Vas-y, laisse-moi voir lequel. Alors ça, c'est contre l'arthrose. Vous massez vos articulations douloureuses avec ça pendant 5 à 10 minutes, deux fois par jour, et ensuite, évidemment, vous les couvrez avec de la gaze. En plus de ça, mesdames, il faudra manger ça même quand vous n'avez pas faim, c'est super important. Je suis sûre que vous aurez des résultats d'ici 20 jours. En plus, c'est délicieux, j'en mange des fois par gourmandise. Ah oui, vraiment. Ma belle-mère les utilise aussi, c'est tout dire. Peut-être qu'on essaiera une prochaine fois. Je vais acheter ce que je connais. Vous nous laisserez savoir quand le beurre de cacao sera là. Oui, oui, d'accord. Bonne journée. Oui, bonne journée. Au revoir, mesdames. Au revoir, mesdames. On n'en a pas vendu. Ce n'est pas grave, Rami. Aide-moi à les mettre en rayon, allez, s'il te plaît. Ce n'est pas la peine, Myriam. Ils ne se vendent pas. Oui, malheureusement. Je vois bien. Ça se vendait dans le temps, mais les gens ont cessé d'en acheter. Quand ils entrent ici, ils font comme s'ils étaient intéressés par ces produits. Mais ils sont plus intéressés par ta famille qu'ils ne sont par tes baumes. Et comment le saurait-il? Ton propriétaire a dû leur dire quelque chose. Enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a rien qui cloche, qu'est-ce qu'il y aurait? Ça, je ne sais pas, mais vous inquiétez pas, ce sont certainement des bêtises. Il ne devrait pas parler. À partir de maintenant, toute personne intéressée par notre famille, tu leur diras que s'ils veulent apprendre quelque chose, ils devront venir en parler avec moi. Mais moi, je ne leur réponds même pas. Enfin, bref. Oh, oh, on dirait que la date limite est passée. On ne devrait pas les laisser ici. Quel gâchis, ça me rend malade quand un produit n'a pas été vendu à temps. Je suis d'accord. Bon, alors on fait quoi? Est-ce que tu vas les jeter? On en fera de nouveau et puis c'est tout. Mais puisqu'il dit que ça ne se vend pas... Eh bien, on trouvera un autre endroit pour les vendre et voilà. Bah tu sais quoi, le marché de la ville est très fréquenté. Il y a plein de gens qui viennent des alentours. Peut-être bien que sur ce marché, tu pourras les vendre et plus cher qu'ici. Hein? C'est une excellente idée, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Nous pouvons les vendre sur le marché de la ville. On peut faire ça, oui. Je vais te donner un peu d'argent pour le dérangement, Myriam. Je suis désolé, hein, ce n'est pas grand-chose. Merci beaucoup. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On les ramène à la maison? Oui, il ne nous reste plus que ça à faire. Je te dirai quand ils seront vendus. Passe une bonne journée. Oui, au revoir. OK. Profite bien de cette journée, mon cher Akhtar. Dis, Myriam, les choses qu'on raconte à votre sujet sont vraies? OK. OK, je n'ai rien dit. Désolé. Si ça continue comme ça, mon pauvre ami, nous allons devoir quitter notre maison. Hein? Non, non, rien. Nous allons passer à la mairie et voir s'ils peuvent trouver une place pour nous sur le marché. C'est quoi? Ça, c'est ta valise. Je vois bien. Je voulais dire pourquoi est-ce qu'elle est là. Je ne veux plus jamais avoir à penser au jour où tu vas me quitter pour de bon, Mustapha. Je t'en prie, ne sois pas ridicule. Tu as passé ta nuit à penser à ça? Tu m'as bien dit que tu ne savais pas quand tu allais sortir de ma vie. Tu m'as dit de ne plus te faire confiance. En effet. Bien alors, je peux très bien prendre soin de moi toute seule. Oui, on a vu combien tu savais prendre soin de toi. Je ne supporte pas quand tu me rappelles mon passé de prostituée, Mustapha. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Est-ce que t'as appelé Samy? Non, je n'ai appelé personne. Est-ce que c'est comme ça que tu veux me punir, Assou? Écoute, je ne serai plus jamais prostituée. Tu m'as sauvée de cette foutue vie, que Dieu te bénisse pour ça, je te jure. Mais je ne serai pas ton esclave à vie à cause de ça, Mustapha. Tu seras toujours dépendante de quelque chose. Ce que je vois là, c'est pas la Assou que je connais. Qu'est-ce que tu sais de cet Assou, hein? Tu ne connais même pas mon nom de famille. Qu'est-ce que tu sais à mon sujet? Qu'est-ce que tu as cherché à savoir, mis à part le fait que j'étais pute? Allez, sors d'ici, allez! Je veux plus te voir! Ne me touche pas! Notre bout de chemin vient de prendre fin. Désormais, c'est chacun de son côté. Je sais que tu vas le regretter. Si je sors, je ne franchirai plus jamais cette porte. Ça, j'y compte bien. Et... on se reverra.
Nous sommes allés là, ça s'appelle la citerne basilique. C'est tellement beau. Laisse-moi le regarder, je n'ai pas vu. Cet endroit est magnifique, c'est comme un conte de fées. Ah, vraiment? Mm-hmm. Comme un secret. Il y a cette grande porte. C'est comme la porte d'une vieille maison. On n'a pas la moindre idée de ce qu'il y a vraiment derrière. On finit par entrer et c'est un petit peu sombre. Oh, les pièces obscures. Mais c'est tellement beau. Même si, bien sûr, ça fait un peu peur quand on entre dans le noir. On ne le saura jamais, puisqu'on n'ira jamais visiter ce genre d'endroit. Non, dis pas ça, il faut absolument que vous le voyez. Et raconte-moi plus. Ensuite, tu descends les escaliers, et il y a cette pièce immense avec tout plein de grandes colonnes. Tout est recouvert d'eau, ce qui donne des reflets étranges à la pièce. Il y a de l'eau qui coule depuis les murs et ça brille comme des pierres précieuses. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'elle a mangé, dis-moi, il y a quelque chose qui ne va pas avec elle ou quoi? Quoi, t'as marché dans l'eau? Non, ils ont fait des ponts et tu marches sur les ponts pour visiter l'endroit. C'est comme un voyage dans le temps, je suis encore complètement sous le charme. Elle est sous le charme. Maman, on devrait y aller. Il va falloir attendre, laisse ton oncle Kerim se promener avec ta tante et peut-être qu'un jour il nous invitera nous aussi. Bien sûr que nous pourrons tous y aller. Bah alors on ira demain? Demain, ce n'est pas possible. Quand l'école sera finie, je te promets qu'on ira. Maintenant, je sais comment y aller. J'ai reçu ma paye. Ah, félicitations. Félicitations. Est-ce que quelque chose te tracasse? Oh, je sais pourquoi. Nous avons eu des pertes aujourd'hui. Non, non. Je vous écoutais. Mais je réfléchissais en même temps. Vas-y, raconte-nous. Ça doit sûrement être à cause de ces baumes. Elle a dû les ramener à la maison aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah. Oui, c'est d'accord. Ça me tracasse un peu. Du coup, j'essaie de réfléchir à un plan d'action, sur le long terme. Quoi, pour ton affaire? Elle m'a dit qu'elle comptait vendre ses produits sur le marché de la ville. Bon, Cadès, est-ce que je peux raconter mes histoires toute seule, s'il te plaît? Désolée. Bon, au lancement de l'idée, nous avons gagné un peu d'argent avec mes produits au magasin. Mais maintenant, on n'arrive plus à les vendre. Je veux dire, l'été arrive et bon, il va falloir réfléchir à un plan. Prépare des baumes anti-coup de soleil. Parce qu'il y en a beaucoup qui risquent d'en prendre. Pardon. Les gens qui achètent ces baumes ne sont plus très nombreux. Nous étions en train d'en parler et c'est là que l'idée du marché nous est venue. Nous allons vendre ces baumes au marché. Vous parlez de notre marché? Je suis allée à la mairie. Ils ont proposé un bel endroit, plutôt bon marché, dans une rue passante, pour nous installer et vendre nos baumes. Oh, mais c'est extra. Je suis contente. Et nous commencerons à y travailler dans 15 jours, si je me souviens bien. Je te félicite. C'est génial. Félicitations, Marie. On sera tous présents ce jour-là. Comment ça, tu pourras être là? Il faut que tu étudies, enfin. Je pourrais y aller après mes examens. Oh, tu sais le marché, là, toutes les semaines. On trouvera bien un jour. D'ailleurs, il faut que nous allions acheter des bocaux pour achalander notre stand. Oui, nous en achèterons. Tu as reçu des mails, et de qui, dis-moi? Christine, elle veut remercier chacun de nous. D'ailleurs, elle m'envoie les photos d'hier soir. Venez voir. Moi, je vais les voir. Allez. Tu as chanté une chanson aussi? Et oui, j'ai chanté. Vous êtes beau. Eh bien, dites donc. Regardez-moi ces yeux de biche. Ils font tous partie de ton équipe? Oui, ce sont mes apprentis. Voici le charpentier, celui-ci c'est le maçon. Ils étaient tous là avec leur femme, hein? En effet. Tu n'es pas sur cette photo? Il est là, regarde. Où ça? Oh, oh. Et c'est quoi ça? On dirait bien qu'ils discutent là. Mais non, ils ne parlent pas. C'est plus tendre que ça. Non, ce n'est pas du tout ce que tu crois, Moukades. Si, regarde! Ce sont de bonnes photos. Non, non. Ça doit simplement être une blague, un truc comme ça. Je ne m'en rappelle même pas. On ne se souvient que de ce qu'on veut, tu sais bien. Non, qu'est-ce que tu racontes? Myriam, tu prendras plus de thé? S'il te plaît, oui, avec plaisir. Et au fait, tu n'as pas d'autres photos à nous montrer, Kerim? Tu as vu comme elle est devenue jalouse? Dommage, elle était si heureuse avant ça. Fatma Ghoul, cette photo ne veut rien dire du tout. Mais j'ai rien dit. Peut-être, mais je sais ce que tu penses. C'est son truc, Christine touche les gens quand elle leur parle. Oui, alors? Alors, c'était pas du tout ce que tu penses.
Comment tu sais ce que je pense, Kerim? Je pense que cette femme a envoyé cette photo exprès. Non, je crois pas. Toi, tu l'as peut-être oubliée, mais tu peux me croire qu'elle a toujours des sentiments pour toi. Non, je... C'est évident. Elle est jalouse. Elle pense que toi et moi, on a quelque chose. Sa véritable intention, c'est de me blesser. Si elle savait la vérité, elle me chercherait pas comme elle le fait. Dis-lui qu'elle peut se détendre. Pour de bon. Oublie tout ça. Qu'est-ce que je dois oublier? Cette fille, elle s'en va demain, n'est-ce pas? Oh, Moukadès. J'aime mon épouse et je ne veux pas lui faire de mal. Envoyez. Viens, entre. J'ai vu que ta lumière était allumée. Entre. Tu n'arrivais pas à dormir non plus. Je viens d'écrire un mail à Christine. Pour mettre de la distance. Il faut qu'elle comprenne que c'est pas possible entre nous. C'est une très bonne idée. Tiens, assieds-toi. Tu n'as vraiment pas l'air dans ton assiette. Est-ce que quelque chose est arrivé? Non, c'est juste encore une histoire d'argent. L'argent obtenu par la vente de la maison est parti. Il faut que nous trouvions de l'argent rapidement. Je te rappelle, nous avons un procès qui arrive à grands pas. Nous allons avoir de grosses dépenses. Et on va dépenser énormément, tu le sais. Ok, je vais m'en occuper. Ne dis pas que tu vas t'en occuper, chérie. Essayons de réfléchir. Rami ne travaille pas, et Moukadès ne travaille pas non plus. Les produits que je fabrique ne se vendent absolument pas. L'argent que tu gagnes ne pourra pas te couvrir, c'est évident. Partant de ce constat, il faut que nous fassions autre chose. Il va falloir que je travaille plus, c'est tout. Ce n'est pas ce dont je parle, Kerim. Tu ne devrais pas être le seul à travailler dans cette maison. J'aimerais que nous participions tous à notre vie de famille. Nous pourrions démarrer notre propre affaire. Et Fatma Goulan serait ravie aussi. Tu as dû te rendre compte que le sujet du procès n'est que très rarement évoqué. J'essaie de ne pas en parler quand elle est dans le coin. La psychiatre lui fait énormément de bien. Elle arrive à ne pas y penser quand elle part travailler. J'aimerais qu'on puisse trouver quelque chose comme ça. Ok, essayons d'y réfléchir. Mais n'en parle à personne, s'il te plaît. Moukadès essaierait de bousiller nos tentatives. Je ne veux pas qu'elle me porte sur les nerfs. Et pourquoi est-ce qu'on ne louerait pas un magasin, Myriam? On pourra décider plus tard de ce que nous pourrons y faire. Non, nos voisins ne nous portent plus en odeur de sainteté. Je veux dire, ils n'achètent même pas les baumes que je fais. On n'est pas obligé de le faire ici. On peut aller ailleurs pour le travail. On va garder ça en tête, d'accord? Nous allons faire mûrir ce projet. Mais oui, un local, c'est une bonne idée. Ok. Bon, je vais aller dormir.
Tu es encore en train d'étudier? C'est demain le grand jour. Je sais. C'est pour ça que tu devrais te reposer. Je voulais y jeter un dernier coup d'œil, mais je sais plus où j'en suis. J'ai même l'impression d'avoir oublié tout ce que je savais. T'inquiète pas, tu sais. Tu t'en souviendras quand tu verras la question. J'espère. Il faut que tu te fasses confiance. Est-ce que tout le monde dort déjà? Est-ce que t'as faim? Non, j'ai mangé un sandwich avant de rentrer. T'as fini? Ouais. J'ai travaillé tard pour ne pas y retourner demain. Je vais t'y déposer moi-même. C'est pas la peine. Ils seront tous au marché demain matin. Alors il faut bien que quelqu'un soit là pour toi. T'auras pas besoin d'attendre, je rentrerai direct après. T'en fais pas. Je veux t'accompagner. C'est gentil. Très bien, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Fatma Ghoul. Tiens, c'est pour toi. J'espère que ça te plaira. C'est quoi? C'est un petit haut blanc pour toi. C'est adorable. Est-ce qu'il te plaît? Merci. Merci de tout cœur. Merci d'avoir pensé à moi. Je me suis dit que ça t'irait très bien. Merci. Passe une bonne nuit. Je vais aller prendre une douche. Ah, au fait, n'oublie pas de mettre le réveil. J'ai mis le mien. Est-ce que l'équipe du marché est prête? Myriam a travaillé dur pour ça. J'espère que tout se passera pour le mieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Attendez une minute. Je pensais avoir éteint toutes les lumières. Laissez-moi voir. Est-ce que les employés sont là? Non, tout le monde est parti. Qui est-ce qui est là? Meltem? Merci, vous pouvez me laisser. Très bonne soirée, madame. Je suis désolée, Meltem. Je n'ai pas voulu te faire peur. Je n'avais pas vu ta voiture. Elle est dans le garage. Je peux savoir ce que tu fais là? Eh bien, je t'ai appelée, mais ton téléphone était éteint. Tu devais être dans l'avion. Demain, je vais aller rendre visite à Selim. Du coup, je suis passée prendre quelques vêtements. Ah, je vois. Tu vas bien? Est-ce que tu te sens mieux après ce voyage? Quel que soit l'endroit où tu vas, tu emmènes tes problèmes avec toi, Périane. Bon, est-ce qu'il y a du nouveau? Toujours pas.
Le procureur voulait encore un peu de temps avant le procès. Je suppose que ça veut dire qu'il se tiendra au mois de juin. Est-ce que tu témoigneras ? Non, non. Bon, rentre bien. Alors, au revoir. Mourad, chérie, ce tablier est trop grand pour toi. Tu vas marcher dessus, tu vas te casser la figure. Mourad, fais pas ça, fais pas ça. Si, je dois le porter, je dois aider. Non, mon poussin, enlève-le et ensuite seulement tu pourras nous aider. Il est beaucoup trop grand pour toi, je vais t'en donner un plus petit, ok? Attends. Dépêche-toi, mec, parce que ça y est, ton temps est dépassé. C'est bon. Lave-toi plus vite, mec, dépêche-toi. Une minute. Bon, mets-toi en face de moi. Hé hey mec, montre-lui un peu comment on met sa serviette dans un bain turc. Ça risque de lui faire mal. Plus que 10 minutes. Ferme la porte parce que ça refroidit les bains, Niazi. Il y a des détenus qui attendent pour se laver. Ok, je crois qu'on a pigé, mais ferme cette putain de porte. Parce que moi aussi je veux me laver. Attends, toi tu dois garder les yeux ouverts. Alors... Ah, se laver, ça devient presque un luxe. Allô, bonjour Ryan. Non, nous n'avons encore rien trouvé. Quoi, vraiment? Ils ont accepté le prix qu'on a proposé? C'est une super nouvelle, oui. Est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? J'aimerais le montrer à ma femme. Ok,
On a retenu quelque part pour l'instant, mais dès qu'on a terminé, je vous rappelle. Ok, merci de tout cœur. On se voit très vite. T'auras beau frotter, ça n'enlèvera pas la crasse. Eh, parle pour toi-même. Tu vas la fermer. Chut, c'est bon, les gars, c'est bon. Ouais, cherchez relax, pas des calmes, allez. Bon, allez tout de suite pour rallier. Hein. C'est quoi ce truc? C'est pas vrai. Je vous avais dit de prendre vos fringues. Avec vous. Dis-moi, Niazi. Je croyais que les détenus se désapaient ici. D'ailleurs, est-ce que ma famille a fait venir des fringues parce que là, j'ai plus rien à me mettre? Ahmed, pourquoi t'as pas surveillé? Désolé, j'ai rien vu. Qui est responsable de ça? Ils ont mis la merde partout! C'est vraiment une sale bande de crevards. J'aimerais voir leur gueule! Putain, on a fait fort! Ces deux foutus gosses de riches! Tu les imagines là maintenant? Ça, on a fait fort! Ah, ces deux sales gosses de riches, j'aimerais bien voir leur gueule! Ah, c'était trop bien! Salut les gonzesses, vous avez trop chaud? Ta gueule et commence pas à me chercher! Allô? Où est-ce que tu es, Moukades? On ne peut pas s'occuper de Mourad. J'arrive, je suis en chemin, là. Ok, dépêche-toi. Elle arrive. Ça y est, c'est prêt. Merci, Emre. Est-ce que Kerim travaille aujourd'hui? Fatma Ghoul a un examen aujourd'hui, alors du coup, il l'a accompagnée. Ah, je lui souhaite bonne chance. C'est gentil. Vous savez où me trouver si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. C'est d'accord, Rami? Oui, d'accord. Mais moi, je me perds. Viens plutôt me trouver. Ouais, ok. Je sais qu'il y a personne à la maison. Lâche-moi! Tu sais bien que je connais tous les va-et-vient de cette maison. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Moukades, écoute. Dégage ou j'appelle à l'aide! Je veux simplement te parler, c'est tout. Je n'ai absolument rien à te dire! Tu disais pas ça dans le passé, hein? Va te faire voir! Attends une minute, mais attends, je veux juste te parler. Moukades! Non, fous-moi la paix! Vous en appliquez sur la zone, mais ensuite vous ne prenez pas le soleil pendant quelques temps, ok? Et il n'y aura pas de marque sur votre visage. Waouh, ça a l'air bien. Essayez-le. Si vous ne l'aimez pas, revenez, nous sommes là toutes les semaines. En effet. Ne touche pas ça, Mourad, ce ne sont pas des jouets. Merci. Il est frais, mon poisson! Ne mangez plus de morue, plus jamais! Ne mangez plus jamais de morue! C'est en voie de disparition! Mangez du maquereau, c'est le nouveau poisson tendance! On achète du poisson? Pas aujourd'hui, non. On peut manger au restaurant. Pourquoi pas? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez quelque chose de cette marque? Faites voir. Tenez, madame, je vous recommande ça. Je voudrais en acheter deux, alors combien ça me coûtera? Ça fera 12 livres. Je vais en acheter deux. Oh. Je vais lui rendre la monnaie, moi. Mourad, attends une seconde. Rami, tu peux t'en occuper. Ok, viens ici, viens. Avoir un enfant, ce n'est pas facile. Je ne vous le fais pas dire. Sois sage. Il va te mordre. Bonjour, madame. Vous avez un baume contre les œdèmes? Oui, bien sûr. Voilà, vous pouvez utiliser ça.
Mettez-y du citron et quelques tranches de pommes. Vous pouvez le bouillir dans 2 litres d'eau, il y a le mode d'emploi sur l'étiquette. Papa, est-ce qu'on peut regarder les jouets? Tu veux parler des jouets qui sont là? On va les regarder. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a du gingembre. Il y a de la cannelle également. Il y a aussi du poivre noir, bien entendu. Qu'est-ce que tu achètes? Mourad, stop, je vais marcher sur tes pieds. C'est contre les œdèmes. Je vais vous en prendre un. Très bien. Mourad, arrête. Papa, allons acheter des jouets. Ok, mais attends une minute. Ça fera 7 livres. Monsieur, regardez ça, c'est contre la perte des cheveux. Est-ce que tu as de la monnaie, Sally? Vous devriez partir. Arrête, Mourad, stop, stop. Viens ici, hein. Que se passe-t-il? Ce monsieur, il a frappé maman, c'est lui qui l'a frappé. Oh, Rami! 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 Rami, stop! S'il te plaît! Attends, regarde-moi, Moukadès. Tu ne peux pas me tourner le dos. Évidemment que si, sinon comment je pourrais les regarder en face après? Tu n'auras plus à les regarder. Dans l'avenir, tu t'installeras dans une autre ville et tu vivras la vie que tu as toujours voulu vivre. Voilà tout. Arrête, venez, tout le monde nous regarde là! Tu raconteras notre version, c'est tout ce que tu auras à faire. Où est-ce que tu vas, Moukadès? Comment est-ce que tu as pu frapper ma femme, sale ordure? Ok, arrête, arrête. C'est terminé, c'est terminé. Rami, jure, tu vas le regretter. Rami, tu as de la chance, j'aurais pu te tuer. J'aurais pu te mettre en pièces. Ne regarde pas, Mourad. Laisse tomber. Tu dégages, Mourad est mon fils. Dégage d'ici. Qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi ce que tu viens faire ici. C'est une coïncidence, Moukadès. Dégage, je veux plus te voir. Dégage, dégage, je te dis. Vas-y, dégage! C'est bon, il se barre. Mais c'est sa femme qui l'a frappé? Je n'ai rien compris à cette histoire. C'est bon. C'est bon, mec, là. Sally, ne nous approche plus jamais, ne reviens plus nous voir. Non, toi, va te faire foutre. En plus, elle s'est barrée. Bon sang, mais quelle journée de merde. Tenez, prenez ça. Merci. Ah, quelle journée, elle est fichue à cause de cette bande de pauvres malades. À toute chose, malheur est bon, hein? Oui, peut-être que notre rencontre sera bénéfique à chacun de nous. Pardon, de quoi est-ce que vous parlez? Est-ce que vous allez enfin me dire ce que c'est que cette histoire entre vous et Moukadès? Peut-être que vous en tirerez quelque chose de bénéfique cette fois. Tenez. Pardon, je ne comprends pas. Prenez-le. J'aimerais échanger quelques mots avec vous. Venez. L'examen a finalement terminé. Ça a donné quoi? Je crois que je m'en suis vraiment bien sortie. Moi, je commençais à m'inquiéter pour toi. Tu m'as dit d'utiliser jusqu'à la dernière minute, alors je suis restée pour vérifier toutes mes réponses. Tu as bien fait. Allez, on va se prendre un taxi. Pourquoi on n'y va pas à pied? Parce que je t'amène quelque part. Où ça? C'est une surprise. Allô, Ayane? On est sur la route, on y sera dans 10 minutes, d'accord? Ok, dans ce cas, à tout de suite. Tout droit, monsieur. Pourquoi tu ne l'as pas laissé partir? Pourquoi est-ce que tu as fait tout ce tapage? Je vais te dire, tout le monde va parler de nous maintenant, et les produits sont fichus. Est-ce que tu trouves que c'est responsable? Tu étais en train de crier, c'est ma femme, c'est mon fils, devant tout le monde. Tu ne pouvais pas la fermer un peu, non? Non, sûrement pas. Je ne pouvais pas rester là sans rien dire. Je n'ai pas pu me contrôler, c'est tout. Quoi, ta colère? Tu es devenu incontrôlable. Kadir. Allô, Kadir, bonjour. Soyez gentil, annoncez-moi de bonnes nouvelles. J'aimerais beaucoup, mais j'ai bien peur que non.
Je viens d'apprendre que la police et le docteur ont rendu des rapports en faveur des Yasaran. Ah, vraiment? Je crois que le procureur a désormais des soupçons en ce qui nous concerne. Pourquoi est-ce que je ne suis pas surprise d'entendre ça? Au fait, la date du procès a été décidée. Quand est-ce qu'il aura lieu? Le 16 juin de cette année. Ce procès est important pour nous tous. Vos dépositions à vous et Mukades sont très importantes. Oui, nous ferons du mieux que nous pourrons, oui. Il n'y a pas de coïncidence, croyez-moi, Sally. C'est Dieu lui-même qui vous a envoyé jusqu'à nous, Sally Mercanli. Nous nous reverrons à partir de maintenant. Ce sera profitable pour tout le monde. C'est un plaisir. Pour moi aussi. Pour moi aussi. Merci, monsieur. Pourquoi on est ici? Pourquoi nous sommes ici? Parce que si tu aimes cet endroit, ce sera ton nouveau lieu de travail. Pardon? Viens. Voilà, si tu aimes cet endroit, nous ouvrirons une petite cantine ici. Tu pourras travailler dans ta propre cuisine. D'ailleurs, nous travaillerons tous ici. Meriem, moi, quelquefois. Rami, bien sûr. Mais Mukades, on va ouvrir un resto familial. T'es sérieux? C'est une idée de Meriem. Et est-ce qu'elle a vu l'endroit? Non. Tu es la première. Alors, ce que tu aimes? T'as du charme. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Ryan. Merci d'être venu. Si tu aimes l'endroit, eh bien, nous nous mettrons d'accord sur un prix. Nous pouvons voir l'intérieur, si vous voulez. Avec une couche de peinture, cet endroit peut être génial. Moi, je peux vous terminer ça en 2 jours. Et il y a de la place pour un garde-manger. On n'aura pas besoin de beaucoup de tables. 6, ce sera largement suffisant. Ah, tu crois, Meriem? Si seul toi et Meriem étaient de l'argent. On veut en mettre aussi, nous compris. Et toi, tu ne m'en as pas parlé, Rami. J'en ai parlé à Fatma Ghoul. Ah. Vous savez, nous avons fait les comptes avec Meriem. Ce n'est pas nécessaire. Puisque ça va être notre affaire, on devrait tous payer. Autrement, je marche pas. Ah, ah. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Ça vient sûrement du tribunal. Je m'en occupe. Votre courrier, madame. Il est finalement arrivé. C'est quoi, Mukades? Ça vient de...